Voilà, bonjour, bonsoir, merci beaucoup de revenir ici avec nous dans notre tranche, le Track Info. Merci beaucoup les abonnés de Congo États-Unis TV et Bisogno sur Congo RDC de rester vraiment fidèles sur nos deux chaînes de YouTube. Ça nous fait quand même du bien. Alors, peuple congolais, Track Info, ils allaient baser sur les nouvelles autour du Kozwa. Et première nouvelle, l'accord, il y a un accord de passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. L'obitengato partagé en haut, na live info, mais malheureusement, toujours qui tente mingité pour Maramesa qui peut belé, na la qui sa gibino lobby, donc toujours qui tente à relaxabino, yango na live info, mais tout préféré, tout partagé na bino, yango lelo, awa peuple congolais, comme beaucoup qui colanda biso, na track info, ya lelo. Accord les alli, Félix Tshisekedi a signé à Joseph Kabila. D'ailleurs, tout le monde a dit que ceux qui sont arrivés à Félix Tshisekedi dans le pouvoir, vous allez se rendre compte que réellement le monsieur a signé des deals, a signé des accords. Même si les gens semblent un peu de dire que non, c'est faux, Félix Tshisekedi a été élu par la population, mais vous connaissez bien Nanga, selon même de journal Oebiman, Nanga a dit la vérité devant les Américains, parce qu'ils cherchaient même à fuir, à quitter le Congo. Vous savez, là, il y a des vérités, même si le lobo est limité, mais croyez-moi bien, dans les jours à venir, ça finira toujours par se dire. Hein. N'est-ce pas, par exemple, la fraude électorale de 2006, 2018, 2023, 2018 plutôt, 2011. Un jour, bah, vous voyez bah, comment ces choses se sont passées, se sont déroulées, et Nengue Salama. Donc Tshilombo a bénéficié de la triche électorale et même plus loin de la nomination de Kabila comme étant président de la République. Et ici, Bandeko Nangai, Nakozonga même l'accord à Kingaka Tite, Nakozonga l'accord à Nairobi et à Kenya, Basignana à Kamere. Mais je vais plus vraiment prendre le temps, la passation des pouvoirs, Natangila Bino Yango, Nine Salama. Pour la passation des pouvoirs et puis comment Félix Tshisekedi aussi avait promis à Joseph Kabila dans l'élection 2023. Comment les documents sont sortis, en tout cas, on a bien évité, mais on a bien évité le service d'enquête, d'investigation président de la carte à Congo, on a bien évité, en tout cas, révélation. Voilà. Papier, on a bien évité, il a bien évité documents et ils allaient tous en avoir. Mais avant, on a bien évité, 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 pour l'instant, on a bien évité. D'ailleurs, on nous signale la première des choses que le premier Nini, Maman Moko, une maman, Dengi Boza Kumona Awa, Mobali Abomi Mwansi Pona Loso. Donc, Mobali Abomi Mwansi Nae Pona Loso. Allez-y comprendre, pas si haut, il y en a Kimbanteke, Mobali Abomi Mwansi Nae Pona Loso, à Pamba. Pour la gamme d'Alia Loso, le cola, ceux qui m'ont salé qui en gognon, surtout ceux qui pennent et le mari, Nakobeta, Abomi Pemoa Sina et Kapona Bloga Loso Pamba. Mawa, nous surtout en a souffrance et les kitro, Namboka, Moutabou Mamoutrugola Loso. Ah, vraiment, les galères et les kitro. Entre temps, peuple congolais, on nous signale encore ici. Identité à Kadima, vous voyez bien que l'identité à Kadima, tant que tu as un raison, il y a un temps pour le Bélamaming, il y a Félix Tshisekedi pour l'élection 2023. Christian Tshisekedi, le petit frère de Félix Tshisekedi, Bande Konangai, a commis un Congo le Mobutu Nakata Kin, R. Toi Linga, Robot Rabino, Loko, Royapa, Botelbino, Moutarosale, et Loko, Azate.
nous avons occupé un peu à cette épreuve live tout ça là il a bien lobby tout là qui ça qui bino comment Christian Tshisekedi ayant droit à comme il bête ça va tout film bon à Congo ce qui a lobby na bino boto cité ce qui a hier comme il s'abîme dans le pango boto cité à coup bête ça bino film bon comme Alingi nous avons qu'il n'aille ni le pas à zate il y en a un président Congo ya bang bon bon qu'il n'a pas. C'est ça la réalité qui se passe au Congo à l'heure actuelle. État de droit pour Meta Kibino, il y a un peu de temps. Et dans la Félix Tshisekedi, il y a une veste à Mikolo de Fouate. Il y a un président. Bon, il y a un peu de temps. 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 Alors, Moutoyo, Aza Moupandi à Félix Tshisekedi, il y a un ministre à SPT. Mande Golangaï, enquête salami, et la kisi ke ye alinaga détourné plus de ce qui 16 millions de dollars. Wana IGF a salaki moussala nae, bakangae, pour alinga détourné mbon. Ah, mais y'a le baga ok koutana Félix Tshisekedi. A ke pa koutana Félix Tshisekedi, le gola zali membre IDPS a expliqué Félix Tshisekedi, tala magamba oza boye, n'engana benda moi parti à l'arme, moi parti à l'arme, l'ingo koutana famille banin bani. Pour biso pe fouto profiter. Félix Tshisekedi a mis un nez à bataille de peste par le bagage. Ils ont ma famille et ceux qui ont la famille. Et ceux qui ont la famille, état de droit et salité. Parce que Félix Tshisekedi a na Kamere qui était son conseiller principal. Ceux qui Félix Tshisekedi a un bar à ta Kamere, il y a un bar à 100 jours. Mais les Congolais, ils ont quand même, moi ça va. Mais Félix Tshisekedi a un bar à Vital Kamere. A un bar à Vital Kamere, Sundula Vital Kamere, et Tima en bataille de justice et ça. Mais il y a un bar à Félix Tshisekedi a un bar. Ah, état de droit. Mawatro. En même temps, au moment où tu as un peuple congolais, na ki ni kuna ba tu baza ko le la passe misale zate. Tu as même na ba ba fonctionnaire ou ba médecin, ba komi ko sala ba manifestation pour na ko senga ba salaire na ba. Regardez la vidéo ici. Bokoka mo bino moko. Ce qui se passe en République. Le médecin, les professeurs, les enseignants, ils ont réclamé salaire. Bon, ils ont été dans la caisse à l'État, ils ont été dans la tandis que Koto Bozo a 16 millions, 2 millions, 1 million, ils ont été dans la caisse à l'État. Ils ont été dans la caisse à l'État. Ils ont été pourtant, ils ont été dans la lutte contre la corruption. Ils ont été c'est le gouvernement le plus corrompu. Même à terre, ils politiquent quand même, ils ont été félicités de ce que les athées. Corruption au Sakanate. Namoni ba taliban ba komelo au Morogana. Oh non. Banda Félix Tshisekedi a commis président. En tout cas, la dette extérieure du Congo est quitte. Ah! En tout cas, bato ba dans le coup. D'abord, Félix Tshisekedi a beaucoup emprunté dans le monde extérieur. Contrairement même à Joseph Kabila. Si on a tangé le bino dette, to commis dans le monde extérieur, Banda Félix a commis président. Boko kamo. Mouza sala yangote. Même Joseph Kabila sala yangote. Quand on a deux ans et demi, Félix a président. Vous avez bon au combat, il y a des filles dans le monde extérieur. Oh non, d'être à Congo qui tient à Botika Lukuta. Botika Lukuta va taliban. Donc je disais que le taliban, le Kosovo, le Kana Congo, on se pose la question s'il y a réellement l'État ou l'État n'existe pas. Parce que si je remonte un peu ici, Namoniawa, le ministre là, Yenani Samaloukonde, est parti. Na province kuna akikota la ba militaire nde bazoki na front ndenge bozako mona na yakikota la bango
atali bango tango na na suka tango atali bango apesi bango ni apesi bango ria ba militaire wana balati balali lalika wana dale vite ba saliga apeta ba faux semblant ka kitola la rata olala so ba koyoka biso ta mwa mawa ba pesa biso quelque chose nenge premier ministre yao mais en réalité ba suna bango pe rien akeka solo ina bango moi $100 atikeli bango na nenga kidiba bo bénéficier tant à moi quelque chose wana pour n'avoir recouvrir l'événement qui n'a rien qui est au talabino. Mawa trop à RDC. Mawa trop, mes frères, n'a jamais dit non, mawa trop. Ma cambozo de Kanakongo, ma militaire même, baza kobuna. Nega, ma signal, la outchou, la sabino, n'a pas médecin. Baza n'a pas mon élo, au salaire était. Les militaires, en même temps, la même chose. Tandis que la femme de Félix Tshisekedi, botala awa, bijou, ou azakola, tana kingonae. Bijou, wana, le croyez qu'au sala tantôt, mbong wana, tout ma foutre, l'ango à taban signal. Naoutchoula Sabino a comment papa m'a bon moi signé pour la loso. Mais la femme de Félix Tshisekedi a la ti bijou ou ça a coûté 97 500 euros. Moi ça Félix Tshisekedi. A la ti bijou na tolo na ye, il y a 97 500 euros. Y a moana. Collier juste un clou. 97 500 euros. Tu y a qui na biso, tout le monde na biso pas cité na vie. Ou ils allaient au casioté, tout profiter, tout yiba, tout envoie ma. Tolata bilo ko singeli tolata la tibino photo Félix Tshisekedi bon moni été ba chaussure ba ni donc vous on a mené botali ke non donc bateau pena ba ko bénéficier les locaux ba kanaka te un jour na vie na bango ba ko soir pour Félix a travaillé été sa femme to boyité il y a pas de sous métier azala qui y a du soignant et du soignant non alors ça va homme de vieillard ba ndaka ba homme de vieillard na Bruxelles niveau d'étude du PK le ko la Félix Tshisekedi bo boulou PK. Donc, tout le monde va s'aller fort dans la vie. Que non, que non, au sali boulot, ok, au sali boulot, au monté, pour nous en sortir. Bah, moi, Félix, c'est que la salle, moi, la précédente. Papa, l'inga koufa, bah, moi, la mère, n'a ya, yo, so, koufi, boye. Mais moi, nous, abimi, la politique, t'es biso, famille, baby. Poua, Félix, a commis, on a politicien. Poua, Kabila, pego, qui m'a pression, a mendele, a kabeli, le pouvoir. T'as la macamouille, les canakons. D'ailleurs, je dois vous signaler encore, à travers le Sibino Bijou na Ewana Latia 97500 euros, c'est que vous devez aussi savoir, sa femme, Denise Nyakero, a outu Kokangisa, un activiste ya Lucha. Et pourtant, ma pometaka biso état de droit. Mais moi, c'est Félix Tshisekedi, a Kangisi, un activiste ya Lucha. Pourquoi Kangisi? Balobibo, a second member, ou est en anglais, a second member of an anti-corruption organization in Democratic Republic of Congo has been arrested after it made the accusation against the president's wife. Donc, moutou moussousou alitaka, na evite so aza mouta IGF. Oyo asali commentaire que moi si a Félix Tshisekedi, à travers fondation na e oyo na lobi ke azo sa la checking, yako tinda rabatou na poto. Alors, moutou moussousou alitaka pona ma mati corruption, a remarqué que moi si a Félix Tshisekedi, bambongo aza ko zona ba province, na ba Congo, na boye. Exactement. À mesure que ça la réclamation, bah Kangisi, asa la prison, la minute sont toujours là, mais Moutazo a lutté contre la lutte contre la corruption. Bah Kangisi. Après bah Joseph Sabino qui toujours lutté contre fraude. Premier dans la vie Sabino, attends il canne bah ça la Makambo Félix a joué ça là. Kolobate, yo so oloba, loba Makambo ya ba Matata Ponyo, Makamba Bakatumbi, Makambo ya ba Yaba Fayulu, baka, loba makambu yaba to Kabila tika kikomeka koloba oye Félix azo salate. Soko meki, yo omona makambu na yo, oko kompan de soke état de droit ane sala kabye sala rate na kata Congo. Alors, à part moi si moutouana bakangisi, boyoka, the organization lit pour le changement, oh babenga na sigle Lucha, alleged that a foundation run by Denis Tshisekedi had delivery had mint for the victim of volcanic eruption. The foundation denied the allegation. Christian Muhawa was arrested at his home in eastern city of Goma. His colleague Parfait Muhani was arrested in July over the same incident and is waiting trial before a military coup. Et moi, moutoumou, deux personnes à Lucha, oh, je peux pas critiquer qui fondation, y a Denis Nyakeru, pour n'en couya aider ma famille, tant volcanique, ça m'a qui n'a Congo, bah, le bien que fondation Denis Nyakeru, mbongo, bango, le baki, ba pessi, et n'a pas, oh, et ça m'a qui n'a qu'à terrain, ce n'est pas la même chose,
Kolo baba lobi dengwana, bakangi moko, batye na prison. Moussousou, moussousou, amekaye kolo baba, kangi ye lissousou, kout na mwa otozo le ba. Azo ze la justice militaire, et sa la pona e. D'ailleurs, na TV5 ezo kolo bama, ke peut-être peine de mort, ezo ze la, bana wana ya louche kanga bango, bako nane bango. Tala makambezo le kana Congo avec Félix Tshisekedi de son régime. Tala oye, basa oubange, état de droit. Félix Tshisekedi azo bongisa Congo. État de tala makambezo salama avec la famille Tshisekedi. Nyo so tout oufou boye bake, moutoua sala est fort pe, d'invite. Aye ko soutouke l'eau, ko soutouke la. Tala makambako mi ko koze na bakomo. Mwa si na yebo meka kolo bate. Aye ba, asenga badon, ba pesye badon. Monsieur, c'est ça qu'on a la dévier dans la bango. Mais tout est inutile. Oko yiba, mobuta yiba, somba, somba. Mais souka souka tika en moi. Il est. Oké, n'a yon l'angote. Oké, l'angote. Tant au koufa, moukolo au koufa. Bako tcha yon moko na kata cercueil. Ata montre pamba oué koko ta na cercueil. Ata cravate, ata basome yon cravate à $1,000,000. Nzota pamba koko ta na samba belle. Nyo soutou an abouyo sa la vanité de vanité. Au lieu de sa vie à ba congolais, au contraire, beaucoup misus konyo que la ba congolais. Ti peuple congolais, toi entamé ta dossier oyo ya. Na la xabino ta passion ba congolais baza ko vivre na katamboka. Regardez pas vous. Vous vous rendez compte, Mboko, à l'année comme vous vous rendez compte, pas sûr comme il a gâté Congo. C'est grave, mes frères, c'est grave. Mais tandis que la famille de Tshisekedi s'enrichit, les logos de monnaie qui pas cité, Tikato Sakanana. Alors, mes frères, je vous disais encore ici, je vous disais sur l'accord de Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ici, cet accord est là. Donc l'accord que vous voyez, je vais lire ça pour vous, pour la meilleure compréhension. Accord wana boza komona, ezako lakisa biso, to ezako stipulé nini. Cet accord signé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Accord pour la stabilité et la paix au Congo. Entre le consigné, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale du regroupement politique CAP pour le changement en sigle CASH, désormais première sous-signée d'une part, hein, je crois, oui, d'une part, attendez, parce qu'il y a essayé mon aîné. Voilà, sous-signée d'une part, voilà. Et monsieur Joseph Kabila Kabange, autorité morale du regroupement politique Front commun pour le Congo, en sigle FCC, ici dénommé deuxième consigné d'autre part, donc Félix Tshisekedi d'une part et Joseph Kabila de l'autre part. Il a été convenu et arrêté ce qui suit. Oyo bayokanaki pour la passation de pouvoir. Pour une passation de pouvoir civilisée, une alternance durable et pour la stabilité et la paix en République démocratique du Congo,
les sous-signés de premier pas acceptent les conditions suivantes. Article 1. Attendez. Article 1, qu'est-ce qu'on dit? Parce que le document, ils ont lu. Immunité totale pour les clans Kabila, famille et. Famille et quoi? De son règne. Pas de poursuite pénale pour tous les crimes commis, possibles commis, crimes de sang, crimes économiques et autres. Oui, ben, Yokanaki, pas de, de poursuite judiciaire pour la clan Kabylie et la famille de Kabila. Article 2. Concertation entre les deux leaders Tshisekedi Kabila avant toute mise en place, notamment dans le service de sécurité, armée, police et service de renseignement. Magistrature, entreprise publique et le territorial. Donc avant Félix Tshisekedi a nommé Mutunaba poste tout armé nous surtout bah fonction d'administration justice il faut bah yokanana Kabila apprendre à au salaire. Article 3. Soutien lors de la présidentielle de 2023 pour la famille politique de Tshisekedi de la coalition de la candidature FCC famille politique de Kabila. Il a été dit que tant au cours de l'élection maintenant en 2023, Félix Tshisekedi est obligé de soutenir la candidature de FCC, même si le nom on ne le connaît pas d'abord, mais il faut basse salaire. Fait à Kinshasa, le 8 janvier 2018, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Joseph Kabila Kabangi, Bangomi Balé Bassinia, Yamo. Témoin, Uhuru Kenyatta, président de la, du Kenya, Azalaki, Uhuru Kenyatta. Deux, Al-Assis, président de la République arabe d'Égypte, président d'Égypte Al-Assisi, Azalaki témoin. 3. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, Boué Biango, témoins nationaux. Delphin Kayimbi, Oyakoufa. Célestin Mbala, je crois qu'il est encore général, il est là, général. John Numbi, Oyakimi. Nano Chouchou. Comment? Attendez, je vais faire un peu grandir, c'est ça. Au Balobinini. Amin Soki Kumba, Jean-Claude Yav, Kalev, Bangonde Bazalaki comme temps, témoin, Oyo Basistaki, na signature et accord entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila sur la passation des pouvoirs au Essengeli et Salama entre Bangonde en 2023. Ce qui est l'action et salami. Donc tout a été dit, tout a été signé. Alors on ne sait pas le manœuvre qui s'est fait aujourd'hui entre eux. Ce qui fait Tshisekedi a toujours la même lignée au hasard en moté. Vous savez, la politique, on peut vous faire croire que comme si rien n'était, mais là c'est. Nous avons vu ici passeport et Denis Kadima Abimaki et l'obito Mekayo Laksabino, comment l'église kimbangiste. Nenge bozo mona Denis Kadima était en Kamba là-bas kokuta nana même ikutu ti na bureau ya Kamba kuna na yebite soki yende nani muta Kamba ndem takendaki na bureau ya Kadima ou c'est Denis Kadima qui est parti en Kamba là-bas rencontrer le père spirituel des kimbangistes parce que na sima kuna bozo mona portrait ya Félix Tshisekedi na mur en tout cas je ne sais pas alors mais à la foulée Tomoni, je crois que peut-être Kadima qui était parti en Kamba. Mais tu vois comment on a que Kadima ngoto le baki na bino que il est national de nationalité azwa nationalité sud-africain. Mais soki botali batu ya IDPS ba monta ki carte d'identité ba lobi que non c'est faux. Azali citoyen sud-africain té. Mais tant botala carte d'identité originale ya Zambie. Carte d'identité originale ya Zambie à la droite. Botala carte balobaki ke Denis Kadima zali na ye non citizen. Mais botala ngo bien. Carte babimisela ki bino ya kolobake Denis Kadima azali citoyen azali kaka résident ce botala ngo ezali ya Zambie, ezali même ya Afrique du Sud ite botala ba logo. Botala très bien. Vous remarquez que tout est pareil. Et balongoli kaka photo wana ya moto yo bazui photo ya Kadima batie likolo bazui ba changer ba date ba sali ba toucher na Photoshop azali na passeport sud-africain et ne peut jamais devenir président de la CENI
ce botali a bisika ya kadi mabacha ki awa botala yango bozo mona ngo te ndenge tala botala yango nyoso mibale même chose taliban muibi doko la Félix Tshisekedi yemo kwa za muibi ale azupe ba miibi mususu atie pemene na ye alors ba yiba ba congolais ba bandoko kosaka ba congolais si ce qui va arriver dans le pays c'est ça la vérité la réalité donc il y a un accord là et to ebité accord ngo nde bisika zo me mamboka bisika ko sukisa mboka to ebité. D'ailleurs, par rapport à Koyiba, au Congo, Félix Tshisekedi, la Zosala, Sukopo, le Rwanda aussi fait partie de l'accord. Mais écoutez les documents, comment le Rwanda a signé qui va corner Félix Tshisekedi pour exploiter les minerais de la RDC. Écoutez vous-même. Le Rwanda démasqué par l'ONU. RDC, exploitation illicite de l'or et du coltan, des nouvelles preuves de l'ONU qui accablent le Rwanda. De nouvelles preuves tirées d'un rapport des Nations Unies et d'un arbitrage d'investisseurs très médiatisés mettent en lumière le rôle du Rwanda dans des réseaux de contrebande sophistiqués qui extraient l'or et le coltan des zones de conflit congolaises et introduisent illicitement ces minerais d'importance stratégique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de produits de consommation tels que les téléphones portables, les ordinateurs et les bijoux. Les experts se disent être au courant de la contrebande depuis de nombreuses années, mais de nouveaux détails fournis par des chercheurs de l'ONU et des documents déposés dans le cadre de l'affaire ont révélé comment ces réseaux prospèrent au Rwanda et en République démocratique du Congo, RDC, alors même que les gouvernements prétendent nettoyer le commerce souterrain. Ce rapport des Nations Unies s'appuie sur des photos, des entretiens avec des contrebandiers et d'autres sources pour documenter le trafic de minerais traversant la frontière vers le Rwanda, où ils sont exportés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le rapport a étayé aussi des preuves fournies par un investisseur minier américain, Bayview Group, dans le cadre d'un arbitrage au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, une institution de la Banque mondiale. Bayview, l'un des plus gros investisseurs dans le secteur minier rwandais de 2006 à 2016, réclame aujourd'hui 95 millions de dollars de dommages et intérêts au gouvernement rwandais, alléguant que le régime a saisi les actifs de la société parce qu'elle refusait de participer à la « contrebande illégale rampante » de coltan et d'autres minéraux congolais vers le Rwanda. L'une des concessions de la société se trouvait près de la frontière congolaise, ce qui en aurait fait un point de passage idéal pour la contrebande de minéraux, selon Bayview. La société estime que la valeur de la production réelle des mines rwandaises n'est que d'environ 20 millions de dollars par an, une petite fraction des 412 millions de dollars que le gouvernement a déclaré dans ses chiffres d'exportation. Par ailleurs, Bayview fait remarquer que le Rwanda ne divulgue que la quantité de minéraux que le pays exporte, et non la quantité qu'il produit. Cela permet au Rwanda de prétendre que les minéraux de contrebande de la RDC proviennent en fait du Rwanda, ce qui renforce ses statistiques économiques, a déclaré l'entreprise aux enquêteurs. Pour rappel, le Rwanda et la RDC ont signé en juin dernier d'importants accords d'exploitation des minerais de l'Est de la RDC. Pour des nombreux chercheurs, ce nouveau partenariat permettrait au président Kagame de passer par la grande porte pour tirer davantage profit des minerais du Congo. Nathalie Rollet, correspondante internationale. CNT, live. Merci d'avance. Abonnez-vous massivement. Voilà. Néomoniango, le Rwanda exploite les richesses du Congo. Et d'ailleurs, on nous signale encore que le Rwanda a accepté la demande du gouvernement américain d'accueillir temporairement des évacués d'Afghanistan. Alors, Rwanda Ndimi, en tout cas, n'a évité comment sera le sort de la RDC dans les jours à venir, ce qui les deux pays-là, Bandimi, Makamboyo, et ça, pour les cas dans le monde. Voilà un peu, Otozaki, Nango Kolobela, sur ces track info. Tokouten Abino, na track info, Moussousou, à tout à l'heure. Merci beaucoup.